Hola YouTube, ici Wookie88. Pardon, comment est ça? Perso, bah moi ça va. Nous voici aujourd'hui sur Core Keeper pour la suite, la 12e vidéo, il me semble, ouais, 12. Bon voilà. Sinon, bah bienvenue sur ma chaîne, installe-toi et profite de mon gameplay divin. Non, c'est faux. Bien, et ben let's go. Donc qu'allons-nous faire aujourd'hui? Bonne question. Oh bah j'ai une idée. On va étendre, tout simplement. On va s'étendre. C'est vrai que la base, là, elle commence un peu à être courte, hein. Hop. Voilà. Bon, bah, on commence ensemble, hein. Bien sûr, je vais pas déjà mettre la pause, hein. Hop, nickel. Donc, on referme. Oui, c'est de la larve qu'il me faut. Alors, je vais plutôt prendre de la grosse pierre. Voilà. Oui, j'ai dit, on allait s'étendre. On va garder une partie du petit étang pour mettre dans la base. Alors oui, j'ai un deuxième lit sur moi parce que... Bah, c'est pour mettre dans la nouvelle base qu'on a trouvée dans l'épisode précédent. On verra pour y aller après. Deuxième coffre, comme vous le voyez, parce que j'ai fait un peu trop de... J'ai fait toute la nourriture qui restait. Hein. Puis bah, mon coffre est devenu un petit peu trop petit. Voilà. Mur, là ça va être le mur, là une porte.
Ah, il me passe au travers. Ah ouais. Ah ouais. Me faire retirer le popotin. Bon, je vais pas l'étendre en rectangle, hein, parce que si je vais par là, je vais casser le l'enclos à insectes. Hop, là, ce sera le maximum. Parce que l'enclos à insectes, il va peut-être grandir. Faut que j'ai défoncé le mur, là. Ça, on le laisse. Voilà. Hop, on va venir jusque là. Là. Ah bah, j'avais dit qu'on laissait une partie de l'étendre. Ah oui, c'est au-dessus là-bas. Quoi déjà? Comme ça, si on a un petit point de pêche, il sera assez proche. Voilà, pourquoi pas laisser la petite partie des temps ici. Par contre, les deux morceaux là, on va les couper, on va les bloquer. Voilà. Comme ça, on aura un petit étang privé. Ça, c'est du mur. Oui, oh, c'est bon, tu vois, tu meurs pas de faim là. Oui, mais attends, si je fais comme ça, je vais plus avoir mon chemin, moi, pour sortir. Bon, on va se le refaire. Là. Voilà. C'est bon. À un près, j'aurais fait le tour. Ah non, il y a encore en haut que j'ai pas fait. Est-ce que j'ai encore des murs ou est-ce qu'il faut que j'en refasse? J'en ai encore. Okay. Mur de briques. Oh tiens, on va en prendre. Hop, ça, ça dégage. Je viens de foutre de la bouffe en l'air, moi, ou du cuivre, oui, de la bouffe, non? Pas de non, oui, du cuivre. Bon. Hop, nickel. Hop. En fait, là, on va faire un contour, on va mettre en pierre. Non, le mur, oui. Bon, tu vas manger, toi, parce que tu vas m'énerver. Voilà. En fait, on va mettre le mur en pierre ici.
contre, j'aurai jamais assez là. Est-ce que je peux en fabriquer du mur en pierre, moi? Bon, on finira avec, avec du mur normal. Hein. Mur en pierre. Non. Non. Oui. Mur de briques en pierre. Ça, mur de briques en pierre. De briques en pierre, oui. Il faut de la pierre. Logique, hein, je devrais dire. Hein. Au moins qu'on s'en fasse la masse. Et qu'on fasse tout le contour en pierre. Ça pourrait être bien. Ouais, faire tout le contour en pierre et faire l'intérieur en bois. Les séparations de pièces. Une bonne centaine. Allez hop, on va le faire ça. Donc on fait juste ça ensemble et bah, je mettrai un pause. Le temps de tout modifier, de tout faire propre. Là, on va remettre pour le moment bon, c'est un peu dégueulasse hein, avec les torches hein, mais c'est que je pourrais faire des trucs de... Attendez, j'ai un truc pour faire la décoration, non? Les meubles. La 8 tables de charpentier. Je peux faire des lumières? Oui. Un point, un bloc de pierre. C'est pas dur à faire en plus. Hop, voilà. Une bonne réserve. Voilà. Ce sera un peu plus propre que les torches. Ah, Brutix! Mais... défoncer moi. Hop. Voilà.
Voilà. On va fermer ici. Elle va gagner en taille, hein. Faire des fenêtres, il me semble, non? Un pot, on s'en fout. Ah bah je peux faire des piédestals, c'est vrai. Ok. Des piliers en bois. Moi, ça pourrait être utile. Ouais, c'est sympa entre deux pièces. Bon bref, c'est pas ça qu'il me faut. Clavier de musique, table d'alchimie, métier à tisser. Non. Ah oui, la table de verrier. Voilà. Pont de verre, un pont transparent que rien ne soutient. Oui, bon, hop. Mur en verre. Quoi que j'y viens de faire, moi. Ah, des dalles de verre avec un abruti. Des dalles de verre, non mais sérieux. Je confonds les dalles avec les fenêtres, moi. Pont, mur, un mur, dalle. Voilà. Ça va être mieux ça. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà.
qu'on a fait le tour, hein. Nickel, on a fait le tour. Ok. Hop, on vire ça. On va pour reposer la dalle. Hop. Alors on va reposer celle-là aussi. Voilà. Bien. Eh ben, je vais mettre la pause, le temps de faire la réorganisation des pièces. On va ranger d'abord et on va tout démonter tous les meubles, les établis, les machins comme ça. Ah non, j'ai pas tout à fait fini moi. Je recommande ma base. Pour faire une meilleure porte qu'un des fois plutôt que les portes en bois. Bah c'est porte en pierre. Hop, nickel. Parfait. Hop. 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 Voilà. Est-ce qu'on fait un chemin qui va jusque là? Non. Une, deux, trois, quatre. Bon bah ça me paraît pas mal les quatre portes là. Voilà. Nickel. Hop, ça dégage. Ça, on va le drailler. Là, on va drailler le pain. Les champis. Je pense que je vais faire aussi de nouveaux sols, parce que comme il y a plusieurs, mais je vais garder juste des trucs qui me permettent de faire de la décoration. Alors ça, est-ce que j'ai des trucs éventuels de décoration dedans qui peuvent me servir? Oui. Ça oui. Ça non. Ça non. Ça oui. Ça oui. Bon. Ouais, ça dégage. Ça, oui. C'est quoi le machin? Ah, c'est le métier à tisser. Ça, non. Non. Ah, abruti. Voilà. À revendre. Pioche en fer blanc à revendre. Ouais. Mon marteau, on le garde. Oui. Là. Ça. Bah oui. Le machin à clé, non. J'ai arraché une lampe. De manière, c'est un peu sombre. Hein. Voilà. Ça, on peut l'enlever. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève.
il me sert à rien, on l'enlève. J'ai encore arraché un sol. Ça, on en a pas besoin pour le moment. Là. Ça non plus. Bon, la fonderie, elle peut rester. Non. On fait pas à manger là-dedans. Voilà. Voilà. Bon, le truc de cartographe, on le remettra peut-être. Voilà. Bien, bien, bien. Et ben, à tout de suite, les amis. Alors, voilà. Alors, après, je ne sais pas combien de temps. Hein, au moins une bonne heure. Hein. Voilà le résultat. La cuisine. La pièce principale. Une pièce que je ne sais pas quoi foutre. Alors, j'ai mis des coffres. La chambre. Et la pièce avec tout le bazar. quasiment tout le matériel de fabrication est ici. Voilà. Ça a pris un temps de malade. J'ai fabriqué un calendrier aussi. C'est censé attirer le guignol et il est là. Ah, il est là, mais il vient pas encore dans la maison. Donc je vais attendre un peu. Bon. Ensuite, ah oui mince, oui, j'ai enlevé la porte. Ah mais bon, si j'enlève pas la porte, il va peut-être pas venir, donc on va mettre les deux portes ici. Là il y a les trucs de valeur. Oui, j'ai mis les trucs de valeur. J'ai pas spécialement mis valeur vente. Ensuite, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? On écrabouille des vers de terre. Ah oui, la nouvelle base. Elle était vers ici, il me semble. Mais dans la précédente vidéo, ça y est, j'avais mis un marqueur et il avait disparu quand je suis mouru. Bon, en fait, ça va, j'ai retrouvé la base, elle était pas trop loin. Oh la vache, j'ai du monde. Wow, au secours. Ah, c'est la guerre ici, hein. Bon, on va la détruire, hein, on va tout récupérer, hein. On va juste garder une pièce. Bon, les sols, on les garde pas, on n'en a pas d'utilité. Les tapis, je les embarque. Pas de lit ici. On va faire les dalles, les tapis, les coffres. Et encore une pièce ici. Après tout ce qu'on a récupéré dedans. Oui, j'ai pas spécialement besoin d'une grande base, hein, de backup. Hein. Ce sera du backup aussi celle-là. Hein. Parce que c'est vrai que quand je dors à perpète la galette et puis que je meurs à l'opposé, bah je me retrouve tout en haut, quoi. On aura peut-être besoin des murs quand même pour étendre la. S'appelle la pièce principale. Je
pense que je ferai comme dans l'autre, un ou deux coffres par-ci par-là. J'aurais dû prendre ce qu'il me fallait à la base par contre. De quoi faire des fours. Je pense qu'on va étendre cette pièce. Voilà, on récupère les murs, les petits sols. Bon, on va aller au brillant, comme ça on récupérera suffisamment de pierres. Ça c'est de la pierre ancienne, je pense. Voilà, nickel, on a pas mal de pierres là. Super, j'ai le soleil qui me fait de l'œil. Voilà. Du mur. Là, parfait. La porte. Voilà. Pardon. Le sol. Aïe. Le coude. On va peut-être l'élargir quand même en fait. Bon sang. Ah,
là. Voilà. Je crois déjà pas mal. Donc... Qu'est-ce que ça donne en taille là? On pose le parquet flottant. Ah, j'ai plus de parquet flottant. Tendre encore un peu. Une porte ici aussi. Thank you.
Mais je me perds. Au moins ça va, il ne détruit pas les rails, l'autre avec son, sa massue là. Oh mais quel abruti l'autre, il s'est coincé. Alors, ah, c'est vrai, le coffre il a débuté à changer de place. Hop, là, orange, hein, tant qu'à faire. Établi de base, on n'a pas besoin. Il y a quand même quelques trucs hein, qui étaient dedans. Hein. Pas super intéressant, mais. Ce qu'il y a à vendre. Ah oui, c'est vrai. Ah, va falloir que je m'y habitue, hein, là, à la nouvelle disposition, hein. Vendre, 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 vendre. C'est bon. Faire cuire. Voilà. Alors, il me faut, je dirais, deux fours. Plus un four à or. Bon, deux fours, c'est trois fours. Un, deux, trois. Voilà, trois fours. Ensuite, une table de démontage et de réparation. Voilà. Quelques coffres. Prendre des coffres en cuir, hein. En cuivre j'en ai, ils me servent à rien. Je vais les prendre. 4, ça me paraît pas mal. Ensuite, ah, je sais plus ce que j'ai mis dans l'autre base. On va aller voir, hein. Bon, c'est pas ça qui est fatigant hein, d'aller voir, hein, mais ça fait un peu de trimballe pour rien, quoi. Ah, purée, les asticots sont de retour. Encore un, hein, vous voyez, hein, le grand asticot là, il me détruit tout. Regardez, il n'y a plus rien là, il n'y a plus de lumière. Thank you.
j'adore. Collier de bain en cœur. Okay. J'essaie d'enlever un peu près le plus possible de trucs asticots là. J'ai pas de bloc sur moi, si.
Ah. Voilà. Bon, j'espère que ça va aller un peu mieux là, parce que j'en ai ras-le-bol de remettre tout le temps des torches. Hein. Je vais nettoyer un peu le lieu. Aïe, le dos. Alors, chaudron. Coffre, lit four, réparation établie, coffre, ouais, c'est justement le truc de cuisine en fait que je n'ai pas mis, bon c'est tout en fait, ok bon, j'ai juste un chaudron à faire même. Bah au moins on est fixé quoi, c'est ce qu'on a à mettre. On va mettre un petit peu de lumière là. Voilà. Alors, un chaudron. Bon, alors, du schtroumpf, là. Pas dur de venir jusqu'ici. Voilà, je vais enlever mon pet là parce qu'il m'énerve un petit peu là. Hop. À boire et à manger. Parfait. À manger. Hop. Voilà. Option. Système sauvegardé. Alors, oui, on a quelques trucs à virer. Attends. Ah, colis de tanker. 0,7 de vitalité toutes les secondes. Oh. Ah, mais bon, là, j'ai 27 vitalité max, quoi. Anneau. Là, j'ai collier d'ammonite plus 22 vitalité max et 13 de... Ah, dommage. Bon, on va quand même le garder, hein. Mmh.
Oh l'autre, il est avancé ou pas? Ah. Allez, comme ça au moins ça m'éviterait d'être obligé d'aller à chaque fois à sa recherche quoi. Les trucs à revendre c'est où? C'est... Ah oui c'est en bas là. Hop, à revendre. Hop, à revendre. Un caverneux. Vestige de ce qu'il faut déjà dire, c'est une fière civilisation. Ok. Ok. Attends, on va le vendre là. Communauté est juste à côté. On garde juste le collier en cœur pour pas faire la bêtise de le revendre. On prend le ça. C'est bon, il me semble, nickel. J'achète le fer. On va faire que le fer. Hop. Les pièces de rechange, on va en prendre. On a un peu de pièces de rechange pour la deuxième base de backup. Là, faire un chaudron. Ben, un truc de cuisine. Voilà, nickel chrome. Forge de chemin de fer, est-ce que ce serait utile d'en faire une? Ouais, ça m'évitera de revenir à la base au cas où. Donc il faut que je prenne du cuivre et du bois. Voilà. Voilà. Cuivre bois, ok. Mine de, les barres de fer là, elles commencent à bien grimper, hein. À force d'en acheter à tout bout de champ au marchand, ça monte, hein. Après, on va prendre de la pierre. On va prendre du slime. Ben, de la vase. De la fibre. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Et bon, on va redescendre. Oui, c'est redescendre. Je commence à avoir des tunnels un peu partout, je commence à me paumer aussi. Ah oui, parce que je passe dans le coupe-gorge. Pourquoi qu'il crache des... Ah oui, j'ai pas fait de porte encore. Allez, vite, une porte. Voilà.
On est plus en sécurité au moins. Voilà, j'ai oublié un petit truc. Nickel. Alors. Les coffres. Là. Hop, le chaudron. Là. Les forges. Les forges. Les fours. Le lit. Si je vais foutre dehors, moi, n'importe quoi. Hop, là. Hop. Hop. Là, voilà. Nickel, nickel. Pourquoi j'ai embarqué des coffres en bois? On les vire, on en a pas mal là. Ration. Chemin de fer. Voilà. Parfait. Non, on va pas tout mettre. On va mettre un petit peu histoire d'avoir un peu de rabio derrière. Oh, voilà. Hop. Maintenant la terre, je l'ai pris, c'est pour la mettre complète ici. Ça ici, ça ici. Ça ici. Le minerai de fer à faire cuire. Ah, j'ai pas rangé mes sous. Voilà. Après, bon, on va faire cuire le fer. Hein. Joujou là, hop, on fait cuire ça. Voilà. On va mettre le petit point de pot de spawn ici. Ça. Allez, la deuxième base de backup. On a du brillant là-bas. Notre train est presque à destination. Hop. Alors, on va aller un petit peu casser, récupérer les brillants là. C'est toujours pas ce qui déclenche les éboulements comme ça. Mais bon, j'ai vu que ça brillait, ça tombait, j'ai été voir un peu plus loin, mais bon, c'est tombé que ici.
Tiens, un nouveau vaisseau là. Ah, je tombe encore dans un nid. Aïe. Wow, me piéger moi tout seul. Un peu dangereux pour mes fesses là, non? Bon, s'il y a du cuivre, généralement, bon, si je le prends pas spécialement, sauf si... Quand même faire cramer. Si je veux pas, si je veux pas mourir, j'ai intérêt de graille et de me protéger. Hop, voilà. On est en sécurité à la base. Alors, graines de cacarotte, on garde. Hop. Ah, puis j'ai rien pour me recharger. Ah bah je suis bête, j'ai juste à dormir. Il y a un lit, autant s'en servir. Hein.
compte, hein, mais bon. Voilà, parfait. Alors, on récupère. Ah, c'est du fer blanc. Ah oui, j'allais dire, attends, t'as vu tout ce que j'ai récupéré en fer? Bah non. On va utiliser un panneau de roche. Ah, parfait. On vire. Nickel. Ammonite. Oh tiens, j'ai récupéré sa roue. Ça, par contre, c'est du fer. Ok. Faire un petit screen. Ah. Ça y aura la miniature de la vidéo. Alors on va laisser un peu les minerais ici. On va laisser aussi un peu de fer aussi. Alors juste que les 3 là, enfin les 5 là et les 3 là soient cuits. Des fois avec ce sujet comme graille. Caudale. Rien que je peux vraiment faire cuire ainsi, hein, peut-être ça et ça. Pour ça. Et. Recette. Steak et steak. Oh tiens. Nouvelle recette. Ça, je l'ai déjà testé. Oh, ça fera de la graille en plus. Hop, parfait. Ça, parfait. Ok. Ok, on va ramener tout ça à la base et on se stoppera sur ça. Pas mal de champi ici. Oui, j'ai plus beaucoup de champignons. Enfin, du moins sur moi. Bon, l'autre, il a avancé ou pas? Bien qu'il soit dans ma baraque et puis qu'il est... Voilà quoi. Non, pas ça.
Hache de combat. Ah, 152-184. Oh, c'est plus efficace que ma massue à larve. 2,5 d'attaque et 39 chances de repousser. 1,7 par attaque et 17, oh. Ouais. Ouais, ça peut être une petite alternative. 30. Bien, ok, on vend. Bon. Ouais. On va réparer les armes et on imaginera. Et renforcer. J'ai oublié. Ok, valeur. Alors, valeur, c'est là-dedans. Hop. Ah! Toujours pas qu'au foot de ces machins. Hein. J'en faut 10. Un éclat de cristal, pardon, ancien qui n'est qu'une fraction de quelque chose de plus grand. Enfin, un crâne de cristal, hein. Utiliser, combiner les matériaux. Pas de machine à combiner encore. Moi, j'ai rien pour combiner, hein. Oh. La vie, il y a un gros parbot là-dedans. Tiens, il y a un gros barbeau. Ah zut, je voulais garder la graine. Bon. Ah, nourriture, nourriture, ça va fondre. Hop, nickel. On stocke les minerais. Voilà. La graille, on la garde. La viande de larve, on la remet ici. Hop, parfait. Les champs pipi. On les met. Et ça, on le met là. La massue, on va la ranger pour le moment. Tester la nouvelle arme. Ok. On va récupérer de la nourriture. Voilà, elle. L'autre, il a avancé ou pas? Et...
Voilà. Maintenant, dernière chose, on repart à la base de backup. On charge la nourriture dans le coffre. Ah, c'est pour ça que j'avais pris des coffres en bois pour différencier les coffres de nourriture et pas ou pas. Bon, on en fait un, c'est pour ça que c'est 5 bouts de bois, il me semble. Voilà. Et bon. La base de backup à chaque fois. Bien. Voilà. Ah, j'ai pas rangé les fioles. Bon. On va les laisser ici. Juste en prendre une. Bon, ouais, pas mal tout ça. Quel? 124. Ok, on fait le dodo pour se spawner ici. Bien. Bon, eh bien, bah voici cette section qui se finit sur Core Keeper. Oula, excusez-moi. Qu'avez-vous pensé de la perf si vous appréciez, si vous avez apprécié, pardon. Bah, ce serait cool de lâcher le petit abo et le petit pouce, partager, commenter, enfin, connaissez quoi. C'était donc Wookie88 en votre compagnie qui vous dit à la prochaine. Des bisous à toutes et tous. Bye!